Salut, salut tout le monde. Donc du coup aujourd'hui c'est mardi. Là c'est le matin. J'avoue j'ai un peu traîné au lit aujourd'hui. J'ai un peu traîné au lit. Là maintenant, Nathan elle est calée un peu dessin animé. Bon c'est les vacances. Hein. Après on fera les leçons. C'est branlement de combat dans la cuisine. Regardez parce qu'il y a la livraison du nouveau frigo. Donc c'est le Y atomique pour le vider. Fallait le vider pour qu'il récupère l'ancien. Enfin, c'est le Y atomique. Donc là, je vais m'atteler. Ma mère m'a tout préparé pour que je fasse le riz cantonné. Il y a toutes les instructions. Regardez ça. Alors, les amis, je dois faire. Je vais m'y mettre parce que du coup, je suis là-haut. Hein. Faire omelette avec 2 œufs. Revenir échalote émincée. Ajouter saucisse Strasbourg. Qu'est-ce que c'est marqué là? En petite rondelle plus poulet dans la glacière bleue. Cuire riz dans l'eau bouillante, saler 10 minutes, goûter, voir si c'est cuit. Donc voilà, je vais faire ça. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, j'ai fait le riz cantonné. Ça donne ça. Voilà. J'ai fait comme j'ai pu. Ça, il fait une chaleur encore, mais à crever. Donc maintenant, il me reste à détendre mon linge que j'ai fait hier. Donc, à détendre mon linge que j'ai fait de Nathan. Et il a voulu que vous montrer, donc c'est le son du jour. Donc là, il est en train de faire. On va montrer ce que tu as déjà fait plutôt. En premier. Il a fait dans mon panier, je mets. Donc, il fallait remettre les paniers de fruits. Panier de légumes, les bons mots. T'as bien trouvé. Là, c'est les nombres dans le potager. Il fallait qu'il trouve 3 plus 1 égale 10. Là, il fallait qu'il trouve c'est un plus ou un moins, etc. Là, il fallait qu'il refasse toute la suite de nombres. Et là, c'était tous les bons. Il a trop bien fait. Et là, on fait à la pêche. Alors, il faut remettre... Là, il y a des mots tout mélangés. Vous voyez? Et dans la pelle, en fait, il faut retrouver c'est quel mot en fait qui est mélangé, le remarquer en dessous correctement. Et la fin était super bien, on est contents. Hein, mon grand garçon? Comme ça, ce soir, on va à Magic World. Hein? On va y aller? Ce soir, oui, si tu veux continuer de bien faire tes leçons. Oh oui, 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 oui. Coucou. Bon, j'ai faim. Voilà, il est 2h20. Ah, il y a un camion? Putain, maintenant que je prépare la livraison de frigo, maintenant que je... Où les portables, ça et ça. Alors, je vais voir si c'est la livraison, on va commencer à faire chauffer. Je vais chercher le numéro. Dans le genre, ça m'étonnerait même pas, j'ai jamais de chance. Mais non, même, je vois ma mère qui s'affole toujours pour rien. Dis coucou! Non, c'est pas ça. Bon, allez, je crève la dalle, je mange ça. Bon. Il joue là-bas, là. Vous les voyez derrière moi? Il joue à des jeux de société, tout ça. Moi, j'ai fait montage de vlog, je l'ai mis en ligne. Celui-là, ce sera sur 2 jours d'affilée, vous verrez ça. Là, il est quelle heure? Il est 4h15, enfin, encore 2h avant de brancher le frigo. C'est chiant parce qu'il n'y a rien de frais à... Il n'y a rien de frais à boire. Oui? Là? J'avais oublié de prendre le ballon. Il est toujours à l'intérieur du carton du frigo. Ah ben, je vais le sortir après. Okay, hein? Merci. J'arrive après. Merci, je oui. t'aime. Et du coup, j'aimerais bien... Regardez, je vais vous montrer. Quand je vous lis. J'ai ça. Je peux même pas le soulever, les amis. Tellement qu'il est lourd. J'ai ça. Ça. J'ai un seul appareil qui dégueule de tous les achats. Là. Hop, j'ai celui-là. Il est plus petit, mais quand même. Attendez. Oh, c'est chiant cette lumière. Voilà, j'ai un plus petit. Donc j'en ai quand même 2 énormes lourds. Un petit.
J'ai les draps qui sont là-bas. Bon, toutes nos fringues que j'ai apportées, mais ça. Donc, il faut que je commence à faire mes valises de neuf. De ce que j'ai acheté. De ce que j'ai acheté. Un garçon. Maman, c'est une tricheuse. Maman, c'est une tricheuse. Elle a gagné à neuf. C'est une tricheuse. C'est pour ça que je l'ai remis à zéro. C'est un coquin. Faut pas être mauvais perdant, Nathan. Il est mauvais perdant. Il a pas arrêté de perdre au jeu. Du coup, il fait chier son monde parce qu'il perd au jeu. En fait, après, on s'en va à Magic World. Donc, c'est à hier les palmiers. C'est un parc d'attractions qui est ouvert tous les, en fait, qui est fixe. L'hiver, il est fermé et il est ouvert que de fin mai à début septembre. En fait, tous les ans. Je connais ça depuis que je suis minote, en fait. Donc voilà, c'est une fête foraine, mais en pas celle qui se déplace de ville en ville, quoi. Elle est assez grande quand même. Enfin, tout ça. Enfin, je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc, je suis sûre que je dois me continuer le palais des glaces avec Nathan. Putain, l'année dernière déjà. Comment vous tirez des trucs, je sais pas faire. Il faut passer dans une roue qui tourne. Après, il y a les marches qui ont comme ça. Il faut s'agripper, il faut monter. Il y a des corsets. Les amis, j'ai pesé, mais en fait, j'ai la flemme de faire des valises encore. Et en fait, j'ai pesé les trois sacs d'achat. Donc j'en ai comme un de 13 et quelques, un de 10 et un de 3. Donc heureusement que j'ai une valise vide de 23 kg qui va être comblée par pratiquement les deux sacs, parce que j'enlève le poids de la valise, donc il en restera un peu des deux sacs. Il me reste 10 kg dans l'autre valise, donc je vais mettre le reste. Il me restera les 10 kg cabine, dans les 10, enfin 20 kg cabine, 10 moi, 10 Nathan. Enfin, il me restera, ça dépend. Peut-être que je dis ça, mais tant les deux gros sacs, ils ne rentrent pas dans la valise. Enfin, faut que je voie quoi exactement. Donc voilà, parce qu'il me reste encore des. Parce qu'après, j'ai du liquide un peu à acheter. Donc le liquide, c'est obligatoirement en soute. Donc il va falloir que je gère l'emballage des valises. Donc voilà. Voilà. Il fait une chaleur, les amis, comme d'habitude, à crever. En fait, on bouge plus, ça va. Quand on bouge pas. Dès qu'on bouge, on fait n'importe quoi, rien qu'on marche même dans la maison, on va faire un truc. De suite, on devient moins en transe et tout, c'est horrible. Et après, il faut que tu fais pour rien, mais il faut genre, je sais pas, moins un quart d'heure, 20 minutes avant que tu recommences à plus avoir chaud sans bouger, quoi. C'est. Oh, c'est horrible. Voilà. Mais sinon, là, je suis en train de voir. Finalement, j'ai mis un pantalon parce qu'en fait, là-bas, c'est à côté des marécages, des salins de hier, là. Et il y a une tonne de moustiques au final. Donc, j'ai pris l'anti-moustique pour Nathan, par contre, pour lui, pour ses. Lui, je l'ai mis en short, oui, la mer indigne. Non, mais c'est qu'il crève de chaud. Et c'est parti, c'est dans le contre-jour, excusez-moi. C'est parti, on y va. Bon, on est arrivé, les amis. Drapeau de la France, drapeau du RCT. C'est l'entrée. Donc voilà, on est arrivé. Il y a du monde déjà. Je pense qu'il va y avoir des gars parce que il fait jour encore. Hein, Nathan ? Oui ! Donc on y va en route. Oui. Comme un grand garçon. Oui. Tu vas prendre tes tickets. Je sais pas comment ça marche. Il y a lié dessus au moins. Et quoi ça s'appelle ? Toboggan ? Oui. Ouais, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Vas-y. Donc Nathan a pris. Il va faire le toboggan. Donc c'est 3 euros les deux descentes. On avait un bon de réduction. On a payé 2,50 les deux descentes. On va attendre qu'il monte les escaliers. Ah mais c'est pas mettre le truc là. Si. Nathan va assister. Non mais ça va maintenant. Ouais, oh. Ouais. Coucou. Oh là là, attention. Waouh, dis donc. Oui. La madame ou le petit garçon? Je vais raconter, maman. C'était cool le toboggan. Ah. Oui, il y a les mêmes, un peu le même système qu'à la ronde. Mais
Attrape rêve. Ils sont immenses. Non, non. Ouais. Le sac, je l'avais ramené la première fois. Pourquoi t'enlèves la bague? Nathan! Nathan! T'as vu la chanson? Ça me fait rire la chanson? La chenille est toujours vainqueur. À l'heure. Pardon, j'ai des conneries en plus. Ça me fait rire, Nathan. Alors pour Nathan qui fait maintenant les manèges de grand à la ronde, mais bon. Alors qu'il fait la tête en... Il y a une mini descente, il crie. Alors qu'il fait les manèges à la tête en bas de grand avec Fred maintenant. Il repart au deuxième tour. Il y a pratiquement pas trop de monde encore. Ouais, c'est bien ça. Après, excusez, je touche le nez. Je me dis... Alors, c'était comment? Bien! Bien! C'est le train fantôme, mais bon, Jade, elle le fait pas et Nathan, il sait pas trop, mais elle le fait avec moi. Hein. J'ai peur qu'il ait peur après quand même. Mais ça, il faut que je me le continue. Hein? Bon, mais ça, il faut que je le fasse avec toi. Oh putain, le requin, il est rigolo! Calme-toi, Nathan, il est surexcité. Je suis les amis, mon Dieu. J'ai pas tout. Oh, comment je fais? Oh là là, mon Dieu. Nathan, dans quoi tu m'as embarqué? Je coupe. Dans la tête, les amis. Oh putain. Oh merde, même mon dos. Oh putain. Oh là là, je me casse. Il faut que je me accroupie. Ah, il y a des filles. Attends-moi. C'est plus pour les vieux, ça. L'envers du décor. Où tu vas? Ah oui, c'est par là. Oh mon Dieu, j'ai peur même là.
C'est vraiment une cagole, les amis. Oh putain. Allez. Nathan, descends toute cette pyrole. Allez, je cours le rejoindre en bas. Je le rejoins en bas, les amis. J'ai vécu un enfer. Je vous jure. Je me dépêche, je dois être arrivée. La cabine là là de mais vous voulez y aller avec Nathan, mais je vois qu'il y a il y a des nœuds, mais il y a quand... ouais je vais voir, mais il y a quand même des trucs d'horreur, donc je préfère pas qu'il le fasse. Oui, oui, Nathan aussi il a fait les petits bateaux. Comment elle sort? C'est fini. T'as eu peur? Encore, c'est un truc, tu sais, c'était une course, mais d'un coup, il y a le screamer et tout. Hein, okay. Donc, il y a la tête de ma... l'esprit, et là, t'as les fourmis, du coup, t'as l'esprit, tu sais, sur tes pieds, pour faire ce que c'est les fourmis. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand garçon? Je demande à Jacques qu'est-ce qu'il a fait de côté. Ah, tu veux demander Jeanne, il demande qu'est-ce que t'as vu dedans. Qu'est-ce que t'avais fait? Non, c'est ça. Attends, on veut faire ça, les amis. Il gonfle, Nathan. Il n'entend pas, ouais, je suis con. T'aurais pu défaire le scratch, hein. Attends, on fait la pose de glace. J'avais caramel blanc, tout blanc. Tout blanc, oui, bien. Bon, attends, ce que t'as eu? Montre à maman. Montre ce que t'as eu. Waouh, la chance. Ah, ça te rafraîchit. C'est cool, hein. Schtroumpf. Ça fait penser au... Oh, j'ai déjà perdu le nom. On dit 3 semaines que je suis en France. Le truc avec la glace pilée là. Les churros aussi. Je vais m'asseoir. Bien, Nathan, on va s'asseoir. Je regrette d'avoir pris ça, les amis. Ça me coulait partout. Je vais me dépêcher de la manger. Glace italienne au chocolat. Elle est bonne. Hein, churros. Ah, c'est joli. C'est plus beau, joli avec les lumières. Ça ressemble un petit peu au Titan. En moins violent, quoi. Je vous fais un petit panel de tous les manèges. Enfin, pas de tout, mais... On va faire son dernier manège, c'est ça. Bon, faut que je vous raconte mes aventures. J'ai mangé la glace. Et la glace m'a donné mal au ventre.
galère. Les toilettes, c'est payant, 30 centimes. Et je ne pouvais plus, j'ai cru que j'allais mourir. Et mal au ventre, je suis mal au ventre. Vraiment, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Donc voilà, c'est trop le fun. N'est-ce pas ? Donc voilà, là, Nathan, il fait ça. Après, Jade aussi, il fait son dernier manège. Et toi, j'ai le temps que les amis, j'ai rien à faire. Et que quand je... Il n'y a que quand... Parce que je ne sais même pas pour mon coiffé que je fais ça. Je ne sais pas, c'est un toc. Donc voilà. Nous après on va finir le tour, peut-être qu'il y aura un dernier manège de fait ou pas, mais bon. Et après on se la rentre, c'est quand même une petite 15-20 minutes de route. Et le temps des douches, tout ça, c'est qu'on va quand même se coucher plus tard. Parce que là il est quelle heure? Il est déjà 10h. Il est déjà 22h.